there anyone on the air? Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire. C'est le magasin que vous avez bien là. Des vieux Revox, c'est à bande, et puis voilà, ça marche très bien. C'était quoi mes 138 papilles? C'était quoi mes 138 papilles? Durant tout le mois de novembre, l'association Le Son des Choses vous propose une promenade sonore à travers les souvenirs de femmes et d'hommes champardonnais qui ont vécu mai 68. Un bon moyen de répondre à une question complexe. C'était quoi mai 68? Les 22 témoignages sont issus d'un CD, Mémoire de 68 heures et des autres, édité par Le Son des Choses, avec le soutien de la région Grand Est, de la DRAC, du Fongep, d'Aubéane et des archives de l'Aube ainsi que de la ville de Troyes. Aujourd'hui, nous écoutons le témoignage de François-Joseph Laporte des Ardennes. Je m'appelle Laporte François-Joseph. Je suis né le 4 mars 1921 à Talmoutier dans les Ardennes. En 1944, c'est là que je suis rentré. 1er février 1945 au chemin de fer, moi. J'étais pointeur décortiqueur parce que le triage de l'hume, c'était un triage en 1950 encore. On a trié jusqu'à 1800 wagons par jour, hein, en 68. Bon, ben, c'est les événements de 68 que vous avez connus, hein. Non, vous n'étiez pas né. En 68, j'ai fait la grève comme tout le monde, puisqu'on m'a obligé de faire la grève de toute façon. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, en 68, tout le monde était en grève, hein. Ah, vous vous souvenez que le général de Gaulle, il était à Baden-Baden, hein. Je ne suis pas un délégué, je ne suis pas un sujetiste, je ne suis pas ceci, cela. Moi, j'ai toujours accepté, j'ai accepté tout ce qu'on a voulu que je fasse. Exécuter les ordres, et puis ne pas aller contrarier quoi que ce soit. Moi, c'était mon point de vue. Maintenant, je ne suis peut-être pas bon dans l'histoire, mais j'ai même, en 68, un truc. C'est quand le chef de gare, il m'a dit, Monsieur Laporte, si vous êtes en grève, d'accord, qu'il dit, mais enfin, la question n'est pas là, je vous connais. Vous allez aller à la caisse, vous irez payer les grévistes. Alors, je vais à la caisse principale, la gare de Lume. J'étais là-bas, puis alors les gars qui venaient, alors un tel, 700, puis ça pour retourner chez moi, quoi, puisque j'habitais un peu plus loin. Alors il y a un gars qui m'interpelle, qui était chef de poste, qui était gréviste là-bas aussi. Ah ben, toi, gréviste, le faux gréviste, tu fais pas gréviste, qu'il dit. Moi, je vais voir, je suis gréviste comme tout le monde, mais le chef de gare m'a demandé, je n'ai pas discuté les ordres du chef. J'aurais pu lui dire, je suis gréviste, je ne travaille pas, mais je ne l'ai pas fait. Mais en attendant, il a ramassé les 7 ordres, enfin, la compte aussi, forcément. Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté.